dit toute chose s'inverse. Ce n'est que lorsque l'odeur de la mer est montée de la cave que nous avons su. Donc dans le cadre d'Avant le soir, on présente le spectacle qui s'appelle L'extraordinaire n'aura pas lieu, qui est une adaptation d'un texte de Eugène Savitskaya, qui est un auteur belge, qui s'appelle Envie. Donc c'est un spectacle qui à l'origine s'est créé pour être joué aux fenêtres des maisons. Et puis là, il y a une adaptation vraiment du spectacle qui s'est faite exprès pour Avant le soir, pour l'événement. Existe-t-il un plaisir que de nettoyer les vitres? Lorsque je nettoie les vitres, je suis celle qui travaille pour que la lumière entre dans la maison. C'est un spectacle qui autour, tout, c'est une écriture qui tourne autour de tout ce qui est de l'ordre des gestes, de ce qu'il faut faire dans une maison. Alors ça va des gestes en fait les plus simples possibles, et toute cette écriture qui est à la fois poétique et philosophique, à partir des gestes les plus simples, en gros on peut penser le monde. Mais se frotter à l'écorce inconnue du monde, celle que nous n'avons jamais pu atteindre, quel que fût son effort. Ces animaux sont partout où nous ne sommes pas. C'est une écriture qui a aussi une dimension fantastique. Alors le spectacle, il amène aussi beaucoup de fantaisie. Et contrairement à ce que le titre annonce, l'extraordinaire n'aura pas lieu. Mais je pense que quelque chose de l'ordre de l'extraordinaire a lieu. Dans le spectacle, la phrase c'est « Rien d'extraordinaire ne se produira, l'extraordinaire n'aura pas lieu, ou alors il a déjà cours, fondu dans la vie courante, comme une feuille dans le feuillage ». Voilà, c'est un petit peu ça que le spectacle raconte.